الأهداف المسطرة مع السي عبد السلام والدو هناك باش أولا باش يكون هناك باش بناء فريق أول فرق فريق قوي فريق تنافسي الذي قد هو إن شاء الله في المواسم المقبلة أنه باش يكون في المراكز الأولى لماذا لا وباش يتحنا الفرصة باش أن يكون عندنا مشاركات حالية أو عربية أو خارجية. C'est sûr que c'est une question forcément qui allait venir. Au niveau des objectifs, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est vraiment de confirmer le travail qui a été effectué par mes prédécesseurs, comme M. Benchira, M. Aziz Karkash et ceux qui étaient avant, le travail de M. Ouar aussi. C'est difficile de pouvoir parler tout de suite du podium. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est un club qui doit se professionnaliser. Aujourd'hui, le président a voulu notre collaboration pour structurer un club solide sur le long terme. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la durée du contrat. J'ai signé un contrat de 4 ans justement pour, dans la durée, pouvoir travailler et construire un club dans le futur. Je vous ai dit les objectifs, confirmer le travail qui a été effectué. Ensuite, la professionnalisation du club, développement de la formation aussi, c'est un axe très très important. Quand on regarde que sur l'oriental, la formation est inexistante. Aujourd'hui, mon objectif, en tout cas, troisième objectif, c'est de développer cette formation pour que sur le long terme, on puisse avoir des joueurs de l'oriental qui puissent venir jouer en équipe première et puis ensuite peut-être fournir des joueurs pour l'équipe nationale. D'accord. Le quatrième plan d'action, c'est de développer aussi des ressources économiques. C'est de se projeter sur un club moderne avec la possibilité de créer des revenus via le spectacle, donc via le match. Et puis, le cinquième axe de travail, c'est de développer la marque MCO, justement sur le plan national et international. Donc, vous voyez que c'est un grand chantier, mais c'est un beau challenge. Et en tout cas, le public où je dis peut compter sur mon honnêteté, sur mon intégrité, sur ma loyauté pour ce travail. Et voilà, je ne vais pas vous mentir parce que ce n'est pas dans mon éducation. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, dire au public où je dis que je viens pour terminer deuxième ou gagner le championnat. Si on peut le faire, on le fera. Mais aujourd'hui, la priorité, vraiment, c'est de professionnaliser le club et à tous les niveaux pour que le public, où je dis, ait sur le long terme un club en première division tous les ans avec le développement de tous ces axes de travail que je vous ai dit. Pour le milieu de terrain. Donc, pour Nelson, effectivement, c'est une très bonne question. Comme vous savez, quand il y a un changement d'entraîneur dans un club, il y a une réorganisation, il y a des systèmes de jeu qui diffèrent, il y a des projets de jeu qui diffèrent. Nelson, je l'ai rencontré il y a 2 heures à l'hôtel. C'est important pour moi parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour le joueur. Je lui ai expliqué mon choix en toute transparence et surtout que je souhaite donner un peu plus de jeu et de profondeur à cette équipe. Et j'estimais que c'était un joueur qui était assez mobile devant la défense. Je voulais apporter quelqu'un qui était capable d'avoir du mouvement box to box, qui était capable aussi d'animer le jeu. Il l'a parfaitement bien compris et c'est comme ça. Mais en tout cas, on travaille sur le recrutement avec le président et le public, où je dis, verra qu'il y a des très belles recrues qui vont venir, Inch'Allah, à Oujda et essayer de relever le challenge.